Allez, je dois relancer. Espèce de grosse banane, écoutez. Un, deux, deux. Bon, je pense que j'ai entendu le son. On va attendre un tout petit peu. Salut à tous et à toutes, je suis bienvenue sur Geeky City, on se retrouve pour un nouvel épisode de ce Let's Play sur un. On peut pas bouger comme ça? Attends. Ah oui, Iron Man qui est juste derrière moi. Kamala Khan. Voilà, c'est bon. Kamala Khan qui regarde un drôle mur. Oh, on peut pas bouger comme on veut. C'est nul. Attends, est-ce qu'on peut voir? Ah, pas mal. Regarde quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, regarde le dos de Hulk. Donc c'est pour lui gratter le dos plus tard, je pense. Quand il sera Kamala. C'est dommage qu'on peut pas bouger comme on voudrait. Kamala, elle regarde le mur. On peut aller où? Hulk, pas content. Bye. Let's go! On est reparti pour la suite de ce Let's Play. Voilà, où on subit des vagues d'attaques d'ennemis. C'est un bon système pour gagner un niveau. Et surtout que j'utilise à chaque fois le personnage le plus faible que j'ai pour essayer de le faire augmenter le plus rapidement possible. Parce qu'après les autres, ils augmentent quand même. Mais c'est vrai que Hulk, on a pas trop l'avantage, j'ai envie de dire, de pouvoir le prendre dans l'histoire principale. Ah, allez. Bon, je suis déjà mort une fois, donc on va éviter de mourir une deuxième fois, ce serait bien. Eux, ils me saoulent. Oh là là, c'est quoi ça? Attends, il y a de la vie là. Hop, alors on va le prendre. C'est qu'elle va terminer en attaque à 6ème. Ah oui, je prends cela. Câlin. Oh la vache, c'est bon, j'étais prêt à attaquer. Allez. Ah, on est plutôt bon. Alors. Et je gagne une fois de plus. Sous. Là. Là. Oh non. Ça. Ah, un adaptoïde en plus, c'est... J'ai plus de pouvoir. C'est un arnaque. Ah, mais y'en a pas un, y'en a deux. Oh là là, les bâtards. Attends, je vais faire un mode de la vie. Bon. On a là-bas, on a un truc. Oh le bâtard. Là, câlin. Il faut d'abord s'occuper de là. Tout va bien maintenant. Allez. Ah zut. C'est un chien les adaptoïdes, je trouve. C'est une des créations de l'IM les plus redoutées quoi. Pour ma part, hein, c'est les plus durs à battre.
Elle m'a pas encore eu. Mais c'est pas vrai. Ah, je suis mort. Je suis mort. Bon. Alors, je pense qu'à chaque fois quand on va mourir, on va tenter de faire l'émission et une fois qu'on meurt, à chaque fois qu'on meurt, on arrêtera parce que sinon ça va être un vrai carnage. On va passer du temps et ça va être le but. Du coup, bon, on a peut-être pas le niveau encore pour passer ça. Donc on va quitter. Voilà. Ils sont très durs. C'est très 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 difficile. Comme je dis, j'ai toujours un problème avec le gameplay du combat, quoi, parce que c'est trop brouillon, c'est très très brouillon. C'est bien fait, attention, j'ai pas dit le contraire, mais voilà, c'est assez compliqué. Donc là, oula, j'ai pas assez de puissance. Donc là, on va continuer l'histoire. Ah, pareil, mais j'ai envie quand même de tenter. Ah, je peux pas, d'accord. Ah, ils me le disent. Donc là, c'est trop. Les porteurs, c'est bon. La saison terminée. Et ouais, c'est dommage. Là, se termine aussi. Et ouais, les porteurs, je sais pas. Bah, j'ai peut-être pas assez de level ou de puissance. Bon, bah, du coup, on va continuer l'histoire. De toute façon, là, c'est fait. On va continuer l'histoire. De toute façon, il y a ce qu'on appelle le endgame aussi derrière. Donc, peut-être qu'il y aura des choses qui vont être rajoutées derrière. Puis, il y aura des nouveautés aussi au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps avec des DLC qui vont sortir. Qui, je pense, vont rajouter quand même du temps dessus, j'espère. L'AIM a mené des expériences sur des inhumains dans plusieurs labos de la région. Maintenant que nous avons des renforts, je pense qu'on pourrait pénétrer dans un des vieux labos assez facilement. Je suis pour. On a envahi un de leurs gros labos dans le Nord-Ouest Pacifique. Globalement, c'est ça. Merci. On n'a pas récupéré beaucoup d'infos, mais c'est peut-être l'occasion d'en savoir plus. Ah. Ok. Ah, on peut choisir. Attends. Est-ce qu'on peut choisir ? Sélection du héros, fais voir. Eh ben non, je vais choisir. Niveau 8. Non, je vais continuer à choisir Hulk. Voilà. On va continuer à choisir Hulk pour l'instant. L'AIM a installé des bases dans les petites villes de l'Ouest. Nous pensons qu'il s'agit de laboratoires de test. Dans lesquels ils enferment des inhumains des environs pour mener des expériences. J'arrive pas à croire qu'il s'est passé tout ça sans que le gouvernement s'en aperçoive. Ils ont beaucoup d'influence à Washington, ainsi que des liens financiers avec les plus grandes sociétés. L'AIM a eu 5 ans pour se faire un réseau. S'attaquer à eux ne sera pas facile. Il faut bien commencer quelque part. On va faire ce qu'il faut. Tu parles comme un autre Avenger que j'ai connu autrefois. Oh, je trouve toujours le temps de chargement très très long. Il faudrait qu'il fasse un truc pour ça. Mais franchement, Crystal Dynamics, il faudrait que vous fassiez un truc pour ça, parce que là, ça passe pas, je suis désolé. Cette installation était l'un des premiers laboratoires de l'AIM. Mais cela fait un certain temps qu'ils se concentrent sur leur prison principale. Le carapace est très vite. Certainement moins bien protégé. Compris. Ouvrez l'œil au cas où il y ait des patrouilles de l'AIM. Avec un peu de chance, on pourra récupérer des informations susceptibles de nous éclairer sur ce qu'ils font aux inhumains. J'ai indiqué l'entrée du complexe sur votre ATH. Attention aux patrouilles. Merci pour plus. Modificateur. Mais j'ai pas le temps de dire. Oh là là, c'est chiant. Bon, là, je peux toujours rien faire.
Non, là c'est maximum, pardon. Là c'est maximum, ça sera plus tard. Maximum, maximum aussi. Bon. C'est bien naturel. Vous m'avez aidé à tenir quand tout semblait perdu. Savoir que la résistance se battait, ça m'a redonné espoir. On dirait que la chance est enfin de notre côté. Cool, un punching ball. Alors. D'accord. Il peut pas descendre une marche. Vous pensez qu'on trouvera de quoi prouver que l'AIM s'en prend aux inhumains? L'AIM protège bien ses données. On n'a encore rien trouvé de probant. Tout ce qu'on a, c'est la parole des inhumains. Et je crains que ça ne suffise pas. Voilà. Tac, tac, là c'est bon. Ah, excusez-moi, j'ai rallumé mon PC, il y a une CTM. Là-bas. Pas casser les maisons. Ah non, c'est pas juste. Voilà, là c'est Hulk quand même. Mais il y a des choses. Vous prépariez la résistance au secret depuis tout ce temps? Pas intentionnellement, du moins pas au début. L'AIM a capturé la plupart d'entre nous dès le départ. On a compris que personne ne viendrait nous sauver. On s'est évadé et on a pris les devants. Un de nos alliés de la résistance a besoin d'aide non loin de votre position. Là, je m'occupe de lui. Là. Oh. Allez. Ah, attendez. Je suis obligé de rallumer mon PC parce que c'est le seul endroit où je peux avoir le minuteur qui me permet de voir le combien de temps ça fait que je live. Ok, 12 minutes. Voilà. Oh voilà, on casse tout. Bon, par contre, ce qui est cool, c'est qu'on peut arrêter les voitures. Ça, c'est cool. Et là, il faut faire quoi là? Hey, j'ai besoin d'aide. Ah, il faut casser ça. Ok, un de côté, de l'autre. Ça marche. Voilà. Théo, faites le nécessaire. Vous êtes en sécurité maintenant. Donc, on va pas aller par où? Eh bah, c'est quoi ça, un temps pénétré ça? Je détruis tout moi derrière. Selon vous, où est-ce qu'ils gardent les inhumains? En laboratoire, ils les gardent dans des unités de confinement spéciales. AIM veut les avoir sous la main pendant les tests. Et pourquoi? Pardon. Ça va être là. Tu as une idée de ce qui nous attend? Oui. Une. Peut-être pour scanner la zone pour connaître la technologie disponible. Ah, pardon, excusez-moi. Ah, voilà.
Ah zut, je trouve les touches. C'est où? Surveillez vos arrières. Pardon. Alors attends. Ouais, on va aller par là-bas parce que là-bas il y a quelque chose. Une cache d'équipement de l'AIM. Je vous conseille d'essayer de l'ouvrir. Son contenu pourrait vous intéresser. Attention, c'est peut-être un piège. Cherchez un coffre d'équipement à proximité. Ah, normalement, il est là. Allez. Là, on y est. Ouais, on y est. On va l'avoir, lui. Oh. Là, on est bon. Attention les yeux. Mais... Si, je suis pas arrivé à le faire, j'arrivais pas à le faire. Je vais mourir dans le temps. C'était nul. Hop là, allez. Mais pourquoi il a pas fait? Ah, j'ai plus d'énergie. Oh là là. Qui c'est qu'on appelle? Hulkbuster. Ok, donc Iron Man s'appelle Hulkbuster. C'est bon? Allez, un petit peu de vie. Hop, hop, hop. J'arrive pas, c'est pas grave. Où le coffre? Aïe. J'espérais que ça durerait plus longtemps. Voilà. Putain, y'a un truc là. Non, voilà, je sais pas comment on fait pour descendre. Là, peut-être. Ah, mais là, je tombe. Si... Là, si... là, j'ai tombé. Oui, oui, là, je vais tomber, c'est sûr. Non mais elle est juste là hein. En plus il y a un point d'exclamation, pas loin. Allez, c'est où il demeure. Ok, donc là, normalement, il n'y a plus rien. À part le coffre qui est en bas, que j'arrive pas à voir. Ok. Sinon, il y a autre chose. Ah, mais c'est là-bas.
C'est là-bas qu'il faut aller. Hop, tac. Ok. Ah, là. Putain, des fois les ennemis ils apparaissent, je sais même pas d'où ils viennent. Ok. Tacage. Là-haut. Et voilà. On est bon. Ouf, le package. Fin de l'histoire, les enfants. Je détecte une unité spéciale hostile près de votre position. Vous pourrez peut-être récupérer des ressources utiles après l'avoir vaincu. Allez, on y est dans la YM. Ah non, je suis mort. Je suis mort. Je me parle. Allez, on va l'avoir. C'est bon. 125. Il n'y avait pas d'autres. Il n'y avait que ça. Il n'y avait rien d'autre, vraiment rien d'autre là. Là-haut. Vraiment rien d'autre. Non. Ouais, c'est ce que j'ai laissé. Alors attends, je vais voir ce que j'ai eu. Ah, compétence. Oh, compétence. J'ai gagné un niveau. Je sais pas vrai. Du coup, dans la spécialité. La spécialité, ouais, il n'y a plus rien que je peux faire. Ok. Donc, on va revenir. C'est pas possible. On va revenir là-dessus. Ah ben là. Ah, attaque de prise. Après avoir saisi une unité de triangle pour fracasser. Ah ok. Fracasser contre le sol. Ok. Bon, on va essayer de faire ça. On va essayer de voir. J'ai pas tout vu. Équipement. Donc là, niveau 13. On avait compris. Ah, j'ai des ressources ça, qui vont bien. On va augmenter la puissance. Ah voilà, niveau 16, franchement, je prends lui. Hein. Sans hésitation. Donc ça je peux le faire moins une fois et ça augmente à 17. Cool, ça augmente beaucoup plus. 15 ça fait 18 et donc là il me reste encore 2. 18 c'est exactement pareil. Voilà, et on est passé à 16 de puissance. 13, lui je le laisse parce que
Parce que là, lui, il est à fond, donc c'est le maximum. Mais là, lui, il peut aller jusqu'à 15, je crois. Ouais, ça, donc on va le faire monter après. Codex. Ok, donc du coup, là, il faut bouger. Bouger, mais il faut passer par... Par où? Ah, ok. Ouf. On a que 26 minutes, attendez, j'ai répondu ça. Hop, comme ça. Voilà, on va avoir du bruit. C'est pas grave. Du coup. Mais frérot. Eh, c'est là-bas. Je crois que c'était la bonne direction, moi, depuis le début. Non, mais dis donc. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, donc là, on a rien. Ah. Il y a un coffre d'équipement à proximité. Eh ben, on va voir ça. Ah, j'ai loupé mon truc. Ah, il y a une séquence aussi. Il y a une scène cinématique aussi. Allons-y! L'AIM a lancé les procédures d'urgence. C'est pas grave, on a tous fait péter la gueule, tu vois là. Oh la vache. Banner s'est fait avoir. Ah. Ceux là, ils sont puissants. C'est bon, voilà. Oh non, j'ai pris la vie pour rien. J'ai goûté. Hop, alors, du coup, qu'est-ce que j'ai? Équipement. Vite, regardons. Je crois que j'ai un truc là-dedans. Mais c'est pareil, ça va être pas intéressant du tout. Donc là, hop, ça je peux le casser. Et comme ça, il s'est passé. C'était un arnaque, tu sais. Ah, 17, non, mais alors là, faut pas rêver non plus. Faut essayer de tout repasser. Là, j'ai certainement passé. Et là, j'ai pas assez non plus. Et là, fais voir.
Ah, on a 17 qui est là. Voilà, du coup, je peux démonter ça. Ça va faire gagner des trucs. Non, toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Et toujours pas. Pas grave. Ils sont où ? Ils sont là. Ah, c'est bon, les actions. Des visiteurs ici. Je vais leur coller une sale note. Bon, je crois qu'on a tout fait. À part la caisse là-bas. Allez, on peut y aller, on peut continuer. Interaction à distance. Certains objets ne peuvent être affectés que par les attaques à distance. Maintenez N2 pour viser. Vous devez détruire le système de sécurité. Comme ça ? Ça ne s'est pas passé comme prévu. Qu'est-ce qu'on fait ? Détruisez les deux transformateurs à l'étage et les portes de l'ascenseur devraient s'ouvrir. Ah là. Ça vient du cœur ! Ça fait maintenir. Bien joué. Ok, le premier est cassé. Ouais, ça se débrouille plutôt pas trop mal. Ben je suis mort. Voilà, je dis ça se passe pas trop mal, ben je suis mort. Bon, mais j'ai hâte d'arriver quand même à tort et à travers. Je devrais sortir pour cette vanne pourrie. Merci. Au revoir. Non, non, mais j'ai hâte d'arriver aux prochains Avengers, c'est-à-dire à Back Window et à Thor, peut-être. Je sais pas. Parce que tortue. Je vois tout de suite. Oui, déjà vu, merci. Détruire le système de sécurité. Allez, bim, dans la gueule. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Détruisez les deux transformateurs à l'étage et les portes de l'ascenseur devraient s'ouvrir. Y'a un film, quand est-ce qu'il revient Ant-Man ? On met combattre des ennemis avec la petite taille. C'est long pour charger cette attaque de puissance. Hop là. Allez. On enchaîne, gauche, droite. Voilà. Et là, tout cassé. Ça a marché. Entrons là-dedans. Ok, je la fais pas. Ah, attends que ça soit. Ah, l'ascenseur. Ça me manque l'ascenseur. J'ai l'impression que les phases dans l'ascenseur, c'est un petit peu comme cacher un écran de chargement. Pas obligé. Alors, vous étiez prisonnier, vous aussi ? Vous n'êtes pas un inhumain, pourtant. D'après Tarleton, quiconque a des pouvoirs est une menace. Ils ont altéré ma physiologie pour que je n'utilise plus jamais les miens. Si je change de taille, je meurs. Ah merde. Je suis désolé. Ça mène où ? D'après les dossiers, vous vous dirigez vers un labo sécurisé. Ok.
Oh, super. Tu fais pas jusqu'à ce que c'est ça. Il y a une cage d'équipement de l'AIM à proximité. Mieux vaut la trouver. Ah merde, attends, ça, ça c'est pas un bonus, ça. C'est bon. Dommage, c'est le niveau, c'est un peu recyclé. J'ai l'impression. Ah ouais, j'ai pas, mais j'ai toujours pas cassé ça. Ça j'en aurai pas. Et ouais, c'est pareil que tout à l'heure, que ce qu'on a fait tout à l'heure en fait. Hein. Ils sont où? Là. Ah là, il y a une porte. Ah ah, c'est... Et j'ai accédé au coffre. Ah, il y a des choses, il y a des choses. Ah, attends. Enfin. Non. Désolé. Ah, enfin, je vais pouvoir augmenter celui-là. Niveau 19. Là, je peux toujours pas. Ouais, on est niveau 10. Ah, attends, niveau 17, 3 ça fait. Là, il manque 21, ça fera. Donc, hop. Yep. Et du coup, voilà, je peux faire optimiser ça. Là, 15 et 3, 18. 18. Donc, autant faire ça. Et on le fait ça. 13. Ah, j'ai un 16. Bien. Parfait. Mais alors là, j'ai un 19 maintenant. Hop. Bien, bien. Et du coup... Et je peux le démonter. Donc de là, ah, de là, je vais toujours pas faire ça. Ah ouais, ça va avec ça. Et ouais, putain, va falloir faire attention. Ah, c'est pas grave. Du coup, là, on est bon. On peut pas descendre là. Attends, y a pas les trucs là. Voilà. Ressources. Ah, mais faire très attention en fait. Des ressources. Les ressources au début, on pourrait croire que c'est le truc dont on pourrait s'en battre des cacahuètes. Là. Et en fait, non. Et donc en fait, j'ai toujours pas trouvé celui d'en bas. Ok. Est-ce qu'il y a un passage par où passer? Ah, attends, j'ai trouvé celui d'en haut. Et celui d'en bas, on le trouve pas. Ouais, on va continuer sur la prochaine destination. Ouh, non, non, dégage. Là-haut, il y a un truc. Voilà, non,
réussir à avoir dynamite supplémentaire. On est vraiment au bon endroit? J'ai presque piraté le réseau de l'AIM. Ils cachent quelque chose. Occupez-vous de leurs troupes en attendant. Ça, on va s'en occuper. Attends, c'est faire. Surtout fais vite, Jarvis. Aussi vite que le permet mon processeur, monsieur. C'est nul. Un de leurs agents a été neutralisé. Hop, on va s'occuper de ça. Excellent. Encore un agent éliminé. Beau travail. C'est un hors d'état de nuit. Qui c'est qu'on appelle? Hulk Buster. Allez, là on va tous l'avoir. Allez, allez. Oh. C'est là, tu défonces avec ça, avec le combustible et tout. Il semble que l'AIM compte prélever de force des échantillons sur leur cobaye. Un véhicule de transport automatisé est sur le point de décoller. Non, on y est presque. Rejoignez le vaisseau avant qu'il décolle. Je mets à jour votre ATH. Attends, déjà on va augmenter les compétences. Premièrement, spécialité, ouais, on va chercher dans les spécialités maintenant. Ah ouais, j'ai tout ça comme spécialité. Ah bah sympa. Attends, spécialité briseur d'os. Je comprends pas. Dis-moi. Équipement, il n'y a rien d'autre. Attends. Salut Desmond David. Bonsoir, alors tu en penses quoi du jeu? Eh bien écoute, j'en pense du bien. Moi j'aime bien, je me régale franchement. Voilà. Mais c'est très très répétitif. Il n'y a aucune différence entre les gabarits des personnages. Bref, il y a du bon comme il y a du mauvais pour l'instant. Ouais, mais après j'aime bien, voilà, ça se laisse jouer tranquillement, voilà, sans prise de tête, j'ai envie de dire. Faut se barrer ici. Là, attends. Ah, attends, ça on pouvait détruire ça. Mais what? À quel moment je peux détruire ça? Attends. Bah, j'ai compris. J'ai compris. Non, j'ai pas compris. Ah, attends. Là, j'ai cassé les deux. Maintenant, il y en a deux qui sont en hauteur. Ah, là-haut. Mais sinon, toi, Desmond May, est-ce que t'as déjà joué à ce jeu ou pas? T'es cassé lui. Attends, il faut que je m'en tape tout. ...14 tu prends la sûrement. Ah ben pourquoi pas. Après ce qui est bien, c'est que ça se joue ça peut se jouer en multi. Voilà. Ça c'est un gros point faible. C'est un gros point fort. C'est que tu peux le jouer avec des potes. Ah, donc je te conseille, tu peux le faire en solo, moi je le fais en solo, mais si t'as des potes avec qui jouer, je te conseille honnêtement de jouer avec des potes. Ah, il fait comprendre qu'il fallait faire ça. Mon pote, il y a des choses, des fois tu regardes pas bien. J'ai passé à côté de ce coffre, je me dis, je sais pas comment passer, en fait, il fallait juste ouvrir les portes. Tac tac tac.
Ok, module d'amélioration. Ok, donc du coup j'ai les compétences. J'ai mon ordinateur, il y a une certaine, c'est magnifique. Heureusement que j'ai. C'est vrai que tu te dis, finesse, heureusement que j'ai quand même le téléphone portable qui me sert de retour pour les commentaires. Sinon, ce serait la merde totale. C'est la merde totale déjà. Alors, je peux absolument rien faire là. Là non plus, je n'ai plus rien. Bon. Je prendrai Avenger et Ghost of Tsushima. Alors Ghost of Tsushima, je pense que je le prendrai un de ces quatre, mais ce sera pas tout de suite, je pense. Ah, 19. Ah, lui il est vachement intéressant. Ah, alors 19 et 5, ça me fait 24. 24 et 16, 16 et 5, 21. Donc on va le faire basculer lui, je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Et du coup, hop là. Non, bon. Je peux toujours aider. Ouais, Ghost of Tsushima, j'ai entendu beaucoup de bien de ce jeu. Mais après, voilà, je pense que. Ah, on a fini. Je pense que je me le prendrai, mais ça sera pas tout de suite. Là, j'ai pas mal déjà de jeux. Ah, cool. Il y a pas mal déjà de jeux que j'aimerais faire, déjà en live, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Et donc voilà, mais Ghost of Tsushima, peut-être un jour. C'est. Ils vont mettre un multijoueur pour Ghost of Tsushima ou The Avengers. J'ai pas compris ta question. C'était pour Ghost of Tsushima là, le multijoueur ou The Avengers. J'ai tout cassé. Ghost of Tsushima. Ah, je sais pas. Alors là, franchement, si mettre un multijoueur, je vois pas trop intérêt d'en mettre un, je pense. Pour Ghost of Tsushima, je pense pas qu'il y ait un intérêt pour qu'il y ait du multijoueur. D'après ce que. Enfin, je dis ça encore. Et si je crois au jeu, d'après ce que j'ai pu entendre parler. J'ai pas pu en mine devant moi. J'ignore si c'est possible. Mais je peux tenter de le détourner de sa destination d'origine. On n'a plus beaucoup de temps, mais il faut essayer. Donc là, on va sauver des inhumains. Si je ne me trompe pas. Il semble que l'on soit arrivé juste à temps. Connectez-moi à l'un de ces terminaux. Je dois contrôler les trois pour pirater ces systèmes de navigation. Ah, soyez prudent. L'AIM voudra reprendre le contrôle de ces terminaux. Ah mais attends, je fais comment là? Super, le C. Le C, il est où le C? Veuillez le reprendre. Alors, j'ai vu. De l'AIM a repris un terminal. Ah mais c'est... Alors là, c'est chaud. Ah, je parais surmonter. L'AIM a repris un terminal. Veuillez intervenir. Le A et le B. Nous avons perdu un terminal. Veuillez le reprendre. 5% sur 22, ça va être chaud. Ça va être chaud, c'est surtout les autres qui font tout que dalle. Hein. Le B il est où? Il est là-bas. Putain mais c'est quoi? Le B il est où? Je vois pas le V. Ah, il y a un problème. Ils ont dit en automne 2020 un DLC gratuit qui s'appelle Legend of 4. Legend avec 4 héros différents, samouraï, renin, voleur. Pourquoi pas? À voir, attention,
Je parle, mais je n'ai pas joué à Ghost of Tsushima, donc je ne sais pas du tout ce qu'il y en est, hein, attention. Et mais là, le A, je le vois, il est là. Regarde, par contre, on a repris l'avantage là-dessus. Mais le B. Mais le B, frérot, il est où le B? Il est en haut, non? Je pense. Ah, il est là-haut, ok. C'est une histoire encore, pourquoi pas? Après voir. Mais ce qui paraît, déjà, le jeu en lui-même, Ghost of Tsushima, il est déjà énorme, ce qui paraît. Bah après, comme j'ai dit, c'est pas, voilà. C'est pas que j'ai pas voulu passer à côté, c'est qu'il y a eu tellement de jeux qui sont sortis cette année, hein, il y a quand même pléthore de bons jeux qui sont sortis. Fallait faire un choix. Et le choix a été fait. Voilà. Donc, au détriment de Ghost of Tsushima, tant pis. Je passe à côté peut-être d'un bon jeu. Mais voilà. C'est mon choix, mais qui sait, peut-être un jour, hein, avec les jeux d'occasion, pourquoi pas, je l'aurais peut-être dû prendre la tête. Hein. Rien n'est dit. Pour l'instant, c'est pas encore du sûr à 100%. Je mettrai pas 60 euros de jeu. Jarvis, tu as pu le pirater? Oui, monsieur. À 0,4 secondes près, le transport devrait arriver à la fourmilière en moins d'une heure. Bon, voilà, ici. Travail, tout le monde. Nous nous pencherons sur ces échantillons de l'AIM à votre retour. Bon, tout ne s'est pas passé comme prévu. On a récupéré des échantillons très utiles. Sauver, mais j'ai dû rendre le jeu à mon cousin. Et ils ont capturé beaucoup de mes semblables. On doit les arrêter. Je suis d'accord, Kamala. Mais il nous faut du temps pour nous regrouper. Quand Tony arrivera avec le Chimère, il sera bien plus facile de lancer une offensive. D'accord, mais on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Retourne à la fourmilière, on pourra discuter de la suite. Bon. On est 30% de trophée. Ah, mais quand même pas mal. Ah, mais attends. Ah, c'est une émission. Attends. Non, c'est pour ça que je voudrais m'arrêter. Je veux m'arrêter. Help me, je veux m'arrêter. Je solo, je peux même pas le faire, je mets pas assez de puissance. Fuck la puissance. J'ai même pas assez de puissance pour pouvoir faire ça. C'est fou ça. Ah, on pourra faire celui-là, mais toi. Eh vas-y, ils ont augmenté tout. Et Ziva, ils ont tout augmenté. J'ai même pas assez de puissance. Mais c'est fou, je peux même pas, alors je pourrais même pas le faire. Ouais, en plus c'est Miss Marvel qui ont. Ah, les bâtards. Non, j'éconne. Bon. Est-ce qu'on peut quitter comme ça? Non, on peut pas quitter comme ça. Bon, les amis. Et j'ai pas fini l'histoire. Les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Merci à Démence David d'être passé par là sur les lives. Ça fait extrêmement plaisir. Voilà, je vous donne rendez-vous très rapidement sur Twitch pour mes aventures. Sur Twitch, je vous donne rendez-vous. Alors, certainement pas demain après-midi parce que je n'aurai pas le temps. Je ne serai pas là quasiment toute la journée de demain. Je ne serai pas disponible. Donc, du coup, ça sera pas avant 21h30 demain soir. Voilà. Pourquoi? Parce que demain après-midi, déjà, je pars demain matin. Je pense que je vais revenir. Vers le milieu d'après-midi, je sais pas si j'aurai le temps de faire un live ou pas. Si j'aurai le temps, je le ferai. Si j'ai pas le temps, tant pis, c'est pas bien grave. Mais on reprendra du coup demain soir à partir de 21h30. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une aventure. C'est DG pour Geek City. À très vite. Ciao. Et encore merci à Demons David d'être passé par là. Ça fait extrêmement plaisir. Je l'ai vu niveau 10 plus 19. On augmente petit à petit, on augmente. Allez, salut.